Ça allait en prison, mais au commissariat, c'était horrible. Ils nous ont battus et menacés de leurs pistolets. Nous ne reviendrons pas travailler, nous avons besoin de cet argent et nous continuerons à nous battre. Si les patrons de Lonmin ne nous donnent pas l'argent que nous demandons, nous ne retournerons pas travailler. Depuis le 16 août, la vie était horrible. Mais depuis hier soir, nous sommes heureuses de leur libération. Pourtant, nous ne sommes pas encore satisfaites, car nous voulons qu'ils soient tous libérés.